Je vous reviens avec les essences Metal Glam Eyeshadow, donc pour les swatchs. Donc je me suis munie aussi de la Mixing Solution de chez Kiko, que j'ai mis dans le petit récipient et que je vais utiliser avec le petit pinceau de chez ELF que je viens de recevoir. Donc c'était aussi pour pouvoir tester le pinceau, parce que j'ai pas envie d'entamer celle de ELF. Donc je vais vous faire à chaque fois un swatch mouillé, un swatch sec. Donc on commence par la, alors super, c'est déjà à l'envers, la 4 Sparkle All Night. Donc on va voir si les paillettes restent à l'intérieur du produit ou si c'est juste en surface. Non, les paillettes c'est juste en surface, hein, c'est pour faire la blague. Donc ça c'est la pigmentation à sec. On va tester tout de suite mouillé. Je sais pas si vous verrez en fait. Je vais rapprocher un peu. Ah, la blague. Je croyais qu'ils étaient modulables ceux-là. Bon ben, il faut travailler, hein. C'est pas comme si c'était. Oh non, bah c'est. Ouais. C'est du. C'est plus de boulot. Bon, c'est sûr, c'est un peu plus foncé. Mais c'est plus de boulot aussi. Hein. Franchement, je vous avoue que. Regardez. Ouais, c'est sûr, c'est intensifié. Mais je pense pas que. Ce soit vraiment la peine de les travailler avec enfin mouillé quoi, on va dire. Voilà, ça prend une plombe parce que faut que à chaque fois donc voilà, ça c'est tout. Les paillettes sont, je suis dégoûtée que les paillettes soient en surface. Le 7, le Golden Up, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc à sec. Je suis en train de broyer mes fards en fait. Donc vous voyez la différence, vous. Bon, là c'est sûr, c'était les paillettes qu'il y avait au-dessus, hein, donc faut relativiser aussi. Putain, les fards, regardez que ça fait cracra, c'est horrible. Alors, soi-disant, ils sont faits vraiment pour être travaillés aux deux. Là, j'essaye de les travailler quand même, mais c'est, voilà quoi, c'est, ça reste, c'est pas la même intensité du tout, quoi. C'est déçu. En même temps, regardez, la paillette, elle est que sur le dessus, quoi. Je suis mitigée, hein, sur. J'étais trop contente de les acheter. Et en fait, je suis un peu déçue quand même. Donc ensuite, on passe au 12. Are You Grey? Donc forcément. À sec, ça fait joli parce qu'il y a la couche de paillettes. Alors mouillé, les fards sont hyper poudreux, regardez, ça se désintègre, j'en ai même pas su le pinceau. Bah vous savez quoi, je vais peut-être essayer d'arrêter de vous les faire en mouillé parce que ça vaut pas la, ça vaut pas le coup de les broyer. En plus, ça se travaille pas bien. Pour le peu d'intensité, pardon, qu'on va avoir en plus, ça désintègre le fard, quoi. Ouais, ben, je sais pas ce que vous en pensez, moi, mais. Attends, je vais quand même vérifier que derrière, ce soit marqué wet or dry.
Ce n'est pas écrit, mais j'avais lu ça, alors pourquoi? Donc non, mouillé, ça va vous broyer les phares et niveau intensité, c'est pas... On va arrêter là, je pense, hein, pour broyer les phares, c'est pas la peine. Évitez le mouillé, c'est pas fait pour. Donc 11, le Lucky Grass Shopper. Donc attendez, je vais quand même retirer ce que j'ai sur la main. Donc c'est un très beau vert, j'adore. Après, moi, allez, on retente. Je vais déjà nettoyer le pinceau. Est-ce que... Alors, en mouillé. On va donner... son avis. Putain, ils sont hyper poudreux à partir du moment où ils sont mouillés, quoi. Ben vous voyez, hein, il travaille mal. Hein. Donc non. Donc on a la preuve, hein, sous vos yeux ébahis. Voilà, ma démonstration est un peu du coup mise à rude épreuve. Mais bon, au moins vous aurez bien vu que c'est pas fait pour, quoi. Donc les Metal Glam, ok pour du sec, pas du tout pour le mouillé. D'accord. En même temps, pour le prix, on peut pas s'étonner... faut pas attendre une qualité non plus. Bah, j'avais entendu que du bien de la marque Essence, mais bon, les premiers swatchs que je fais, c'est pas... Si, ils sont beaux quand tu retires les paillettes dessus, bon, ils sont beaux quand même. Le 2, Coffee Glow. Coffee to Glow, sorry. Bon, c'est tout, on va les faire juste comme ça. Hop, bah, la première couche de paillettes, forcément, est magnifique. Hein. Et la deuxième couche en dessous des paillettes, elle est beaucoup moins magnifique. C'est ça qu'il faut voir un peu. C'est... La première couche est magnifique, mais bon, après la deuxième. Je suis dégoûtée. Là, franchement, je suis rarement dégoûtée comme ça, mais. Alors, peut-être que c'est. Alors, pour moi, je vous avoue, hein, tout de suite, c'est un flop. Première couche. Donc, ça, c'est le 15, le Hello Goldie. Première couche. Bon, elle est magnifique, hein, c'est sûr. Deuxième couche. Bon, ça va encore, celle-là, ça va encore. Mais on voit bien, quoi, c'est pas... C'est pas ce que j'attendais, franchement, je pensais pas que... voilà, quoi. Ensuite, on a 19, le Sparkling Orchids. Ah, c'est tout, on peut pas être ravi sur tout, hein. Alors, bon, la couleur de celle-là est magnifique, hein. Mais en dessous... sous les paillettes, est-ce que c'est aussi magnifique? Eh ben, c'est même plus magnifique en dessous les paillettes, je trouve, que au-dessus. Bon, c'est tout, hein. Il y a du pour, il y a du moins bien. Qu'est-ce que tu peux te dire? Là, on a le 01, le Jewel Up the Ocean. Alors, bon, il n'y a pas d'autofocus là-dessus, c'est sûr. De toute façon, ça. Que j'ai récupéré de ma belle-mère d'ailleurs, je l'embrassais énormément si elle me voit. Bon, j'avais déjà essayé de le swatcher, hein. J'avais déjà remarqué que les paillettes elles se barraient une fois que tu avais mis la panouille dedans déjà. Alors bon, essai, premier essai, il y a un côté avec paillettes, un côté sans, ça se voit déjà. Et en dessous, ouais, si, oui, si, quand même, elle est magnifique, j'adore vraiment, il est très très beau, il est très très beau, même sans les paillettes au-dessus. Et pour le dernier, nous avons le 18, le Choco Chic. Alors celui-là aussi, j'avais trouvé qu'il était magnifique. C'est un super cuivré chocolat. Alors en dessous des paillettes, j'essaye de toujours reprendre au même endroit. Et il est déjà moins lumineux quand même. Enfin, il y a toute petite différence, hein, mais c'est pas non plus... pas non plus énorme, hein, mais je le vois quand même, quoi. On voit que là il y a des paillettes en gros là, sur le côté là, et que là c'est beaucoup moins lumineux, il n'y en a pas, quoi. Bon, c'est tout, remboursé, il y a erreur sur la marchandise. Ouais, je suis un petit peu déçu quand même, je suis un petit peu déçu.
Donc voilà pour ce qui était des Metal Glam. Donc bah écoutez, si vous en avez, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si ça vous a déçu autant que moi. Enfin, il y en a quand même, bon, les couleurs sont jolies, hein. Mais je pensais quand même qu'en mouillé, ça ferait effet quand même plus métallisé, pas du tout en fait. À ce moment-là, il fallait qu'ils les appellent autre chose que Metal Glam, enfin, je sais pas. Parce que les paillettes, regardez quand même, quoi. Tu retires la première couche, il n'y a plus rien. Tu vois bien là où j'ai mis le doigt. Là aussi, enfin, le verre est plus probant quand même. Là, on voit vachement bien. Je suis dégoûtée. Enfin, après, les couleurs sont pas moches, hein, mais bon, j'ai un bilan pas génial sur les Metal Glam, hein, vraiment. Bon, c'est tout. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si pour une fois, c'était pas forcément du positif. Donc voilà, je vous fais des bisous. Ciao. Il y a maman qui vous dit au revoir. Bye bye.